C'est dans un quartier complètement bouclé par la préfecture, en prévision d'une possible contre-manifestation antifasciste, que se tient la réunion, elle aussi très surveillée. L'occasion de présenter les têtes de liste du mouvement, dont la popularité se joue à l'applaudimètre. La salle, comble, a fait le déplacement pour Marine Le Pen. À 2 semaines des échéances, elle vient remotiver les troupes et pense déjà à l'élection présidentielle. Cette campagne municipale est une étape sur le chemin qui nous conduit à la victoire. C'est dire l'importance de ce rendez-vous. Le Pas-de-Calais n'est pas choisi au hasard. C'est un terrain de prédilection pour le Rassemblement national. On est au cœur du bassin minier ici. Hein. Et c'est vrai que c'est d'ici, il y a maintenant quelques années, qui est reparti le vote Rassemblement national. Et de cœur, j'y attache une importance toute particulière. Une présence salutaire pour le nouveau candidat à la mairie de Lens, parachuté il y a un an dans la commune. Les gens, est-ce qu'ils viennent pour vous ou est-ce qu'ils viennent pour la présidente du parti ? Pour les deux. Voilà, vous avez la réponse. Évidemment, Marine Le Pen est la tête d'affiche de ce meeting. C'était le meeting de Marine. Si les gens ont pu en même temps me rencontrer, et vous voyez, j'ai pu discuter avec des gens, c'est faire une paire de coups. Reste à savoir si le passage de Marine Le Pen jouera en faveur des candidats du Rassemblement national le 15 mars prochain.